c'est Oxy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Oxymod. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, aujourd'hui on va faire des panneaux solaires, donc vous pouvez voir que là j'en ai un, ça y est, je l'ai crafté. Et pourquoi il va falloir qu'on en refasse? Eh bien tout simplement parce que, voilà, c'est extrêmement dur de raffiner. D'ailleurs ça y est, là j'ai bientôt plus d'énergie dans ma pile. Là j'en ai une autre qui est en train de charger, mais il va m'en falloir beaucoup plus des piles. Parce que sinon ça va être bien galère. Alors du coup, ce qu'on va faire, regardez, donc les piles, c'est batterie déjà. Voilà, donc il va nous falloir une battery box. Donc la battery box, il nous faut une pile chargée ainsi que 3 piles. Ah non, quoique, ah non, non, il faut 3 piles, c'est tout. Mais attendez, j'en ai une là. Bon, on va en crafter d'autres. On va laisser celle-là charger. Et on va crafter la battery box. Alors pour faire une pile, voilà, c'est tout simple. Donc il nous faut encore 2 piles. Donc on va prendre ça. Alors il nous faut du charbon. Un peu de tin. Voilà, du tin. Et de la redstone. Donc il nous faut 2 petites piles. Donc ça va pas demander grand chose. Tac. Tac, 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 tac. Ok, voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Impeccable, donc là on a nos 3 piles. Alors maintenant il nous faut du steel. Donc, du steel on en a à foison. Voilà, parce que nous sommes des hommes stylés. Non, c'est bon, on a le steel. Alors on va mettre nos 3 piles. Tac, tac. Comme ça et comme ça. Et là on a la battery box. Donc la battery box, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse batterie en fait, dans laquelle on va pouvoir stocker de l'énergie. Donc on va la poser je sais pas, ici là. Et battery box, voltage. Alors attendez, je crois que je passe mieux. Est-ce que si j'ai la place, ah, attendez, est-ce que ça s'est chargé? Je peux pas la placer là. Bon, vas-y, ça charge. Alors, est-ce que c'est... Genre, attendez, je vais prendre ça. Comme ça. Ok, voilà, ça décharge tout de suite et ça charge ça. Tac, et là, on remet la pile là-dedans. Ça va la recharger. Et après, ce voltage, on doit pouvoir l'emmener là-dedans. Alors à mon avis c'est genre, là si je reprends la pile, je peux la recharger. Donc ça me permet de stocker l'énergie en fait. Ouais c'est ça. Donc la battery box permet de stocker l'énergie et de la récupérer beaucoup plus vite. Alors est-ce que à votre avis on peut mettre la battery box sous un panneau solaire? Je ne sais pas, on va essayer ça tout de suite. Alors il nous refaut un solar panel. Alors solar panel, il nous faut le grand. Et pour faire le grand, il nous faut 6 petits. Alors pour faire les petits, oui c'est vrai, c'est comme ça. Donc on va faire ça tout de suite. Donc j'ai fait du hors caméra, regardez, on a les LED, on a tout ce qu'il faut. Donc 6 petits. 6 petits, il va nous falloir du fil. Enfin du fil. Alors c'est ça. Tac, c'est ça plus des laines. Ok, donc on va faire ça tout de suite. On va faire 2, je pense. Hop. Tac, 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 tac. Ok, là c'est bon. Là on a 12 fils. Maintenant, il nous faut du verre. Alors du verre, j'ai ça sur moi. Et de là, la pile azugi. Donc la pile azugi, on va faire tac, tac, voilà. Ça c'est bon. Donc on a dit 6. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3. 4, 5 et 6. Ouais, je vais pas avoir assez, à mon avis. On va mettre 4 déjà. Ouais, voilà. J'ai assez que pour 4. Alors, il va falloir refaire des fils. Tac, tac. Le copper. Ok, c'est bon. Là, cette fois, je devrais avoir assez. Tac. Et tac. Ok, voilà, impeccable, c'est bon, on a les... Oh, bah, on en a même 12. Bon, bah, écoutez, impeccable. On en a 12, je m'en suis pas rendu compte. Et là, il nous refaut du fil. Il nous refaut du fil. Fuck. Ouais, bah, ça va faire comme ça. Tac. Et... Tac, impec. Ça, c'est bon. Et il en faut... Ok, bon, bah, écoutez, génial. Tac, tac,
Tac et tac. Ça nous en fait deux. Alors maintenant qu'on a deux full solar panel, il nous faut un advanced. Alors voilà, il nous faut un advanced solar panel. Et pour faire advanced solar panel, c'est plutôt simple. Par contre, petit problème, le petit bémol, il va nous falloir. D'ailleurs, il fait nuit, donc on va aller se coucher. Il va nous falloir, comment dire, de la laine. Donc on va aller chercher ça tout de suite. D'ailleurs, je suis en peaceful, excusez-moi, c'est parce que quand je fais le minage, je me mets en peaceful. C'est beaucoup plus simple. Ah oui, d'ailleurs, j'ai arrêté la production d'Advanced Magic Dust parce qu'il y en avait beaucoup trop. Voilà, ça commençait à dégueuler partout par terre et c'était assez relou. Voilà. Donc on va aller chercher quelques laines, on va remplir vite fait notre inventaire. Et puis on va faire ça, il n'y en a pas pour longtemps, les moutons il y en a un peu partout. Donc on devrait pouvoir remplir notre inventaire assez rapidement, regardez là. Tac, là on a déjà quelques moutons, impeccable. Là on aurait déjà assez de laine hein, théoriquement, mais bon on va en prendre un peu plus histoire d'avoir des réserves. Donc en ce moment on fait pas mal d'électricité là pour le coup. Il y en a certains qui m'ont dit on dirait du Feed the Beast. Ouais c'est vrai, on dirait un petit peu du Feed the Beast. C'est la partie que j'aime pas, c'est quand il y a trop de craft, mais bon ça reste pas... C'est pas non plus trop chiant là pour le coup, mais dites-vous que ça c'est que pour un mode hein, tout ce qu'on fait. C'est juste pour Galactic Craft, alors imaginez du Feed the Beast. Non, pas pour moi, quoi. Très peu pour moi. Surtout que Feed the Beast, c'est juste de l'automatisation pour récupérer des ressources. Excusez-moi, je viens de mettre un coup dans mon micro. Donc voilà. Mais de toute façon, je ne ferai jamais du Feed the Beast sur ma chaîne. Hein. Beaucoup m'ont demandé, mais ça ne sert à rien de me le redemander. Je sais pas du tout mon style de jeu, Feed the Beast. Voilà. Mettre une heure pour faire un craft, c'est pas trop mon truc. On a combien de laines? 16. On a 16 laines, et bah écoutez, ça c'est cool. On va continuer d'en chercher un petit peu, vite fait, là. Sinon, c'est pas bien grave. On va s'en passer, j'ai envie de dire. Alors, là... Ah, bah voilà. Là, on a un mouton. Allez, viens par ici. Hop. Bah, c'est les mêmes que tout à l'heure. Voilà. Écoutez, on a le bébé qui pleure. Donc, du coup, je fais une petite ellipse. Ok, re tout le monde, c'est bon. Le bébé a arrêté de pleurer. Hein, ça a fait une petite ellipse d'à peine quelques secondes. Donc, écoutez, c'est bon. On a assez de laine. On a largement assez de laine. Alors, ce qu'on va faire, donc l'advanced machin, il va nous falloir deux basiques machin. Deux basiques circuits. Oh putain, il va nous falloir plein de fils. Alors, on va faire deux. Tac. Et tac. Ok, là, on a 12 fils. Alors, maintenant, on va faire des steel plates. Steel plates, comme vous voulez. D'ailleurs, on va refaire du steel aussi. Ok, ça devrait suffire. Tac, ouais. Ouais, 32, ça devrait le faire. Tac. Impeccable, on va le mettre à cuire tout de suite. Alors, donc là, il va nous falloir, on a dit... 4. 4. Ah bah, je peux en faire que 2, donc déjà, on va en faire 1. On va faire 2 basiques circuits. Et il nous faut, donc... De la redstone et les fils. Alors. Hop. De la redstone. Et les plaques. Voilà. Tac, on a deux basiques circuits. Donc de quoi faire l'advanced. Donc il nous faut un petit diamant. Tac. On va poser le diamant. Ça comme ça, ça là. Ça là et ça là. Ok, on a l'advanced circuit, ça c'est bon. Maintenant, il nous faut un steel plate. Donc ça on a, on en a en réserve. Et 4 steel plates. Alors le steel plate, j'en ai un dans un coffre. Alors ça doit être là-bas, je pense. Ça doit être ici. Voilà, là j'ai un steel plate. Ah bah j'ai même 4 fils, on va les récupérer. Alors je veux voir la pile. Ok, ça se remplit. Ça là. Là, j'ai toujours pas raffiné toute l'essence. Parce qu'il y en a beaucoup trop. Et ça, c'est quoi? Fuel loader. Je ne sais pas encore comment ça marche. Fuel loader, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Alors, donc, pour le coup. Il nous faut les steel plates. Alors, il nous en faut combien on a dit? 4 steel plates. Alors, 4 steel plates, ça va être tendu. Oula. Hop, là, on en a déjà 3. On va diviser ça, on va mettre dans les autres fours.
Tac. Et tac, ok, alors on avait du fer à cuire. Et bah écoutez, on va le poser ici. Voilà, donc je suis désolé, hein, c'est vraiment une partie craft. Peut-être que certains ne trouveront pas ça intéressant. Si vous vous aimez pas, bah, je vous invite à zapper. Et ceux que ça intéresse, et bah continuez de regarder cette vidéo. Hein. C'est avec plaisir que je crafterai tout ça avec vous. Donc c'est bon, on a ce qu'il nous faut. Alors donc, il va nous falloir deux fils. Ça ici, ça là, ça comme ça, ça ici. Et ok, on a l'Advanced Solar Panel. Alors maintenant, on va placer ça, je pense, ici. Voilà, l'Advanced. Du coup, maintenant, il va nous falloir des piles. Alors des piles, j'en ai plus pour le coup. Donc on va aller recrafter, on va recrafter une pile. Ça devrait largement suffire. Alors il nous faut un charbon, une redstone et du tin. Tac. Non. Tac, tac. Tac, tac, tac. Ça. Voilà, c'est bon. On a notre pile. On va aller la mettre dans le solar panel. Qui se trouve ici. Enable. C'est bon, il collecte l'énergie et il commence à faire charger la pile. Donc c'est bon, là on a nos piles qui sont en train de charger. On a tout ce qu'il nous faut à ce niveau-là. Alors maintenant, il faudrait que je trouve comment... Statue to load fuel. Alors, ah d'accord, attendez. Est-ce que si je fais... Ok, ça, ça me le remplit, ça me le met à 1000. Et là... Ok, c'est bon, j'ai compris. Là, il nous reste 1000. Hop, ça s'est rempli de fuel. Et je le mets là. Et là, ça entrepose l'essence, en fait. D'accord, ok, ça, c'est bon, j'ai compris. D'accord, c'est génial. Du coup, on va mettre charger une autre pile. Parce qu'il va falloir qu'on en charge beaucoup. Et je me rends compte qu'il va nous falloir beaucoup, beaucoup de panneaux solaires ou beaucoup de hors-caméra. Je sais pas comment je vais me démerder. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment on va s'organiser pour ça. Donc du coup, on va placer ça là, ça là. Oula. Ok. Tac, deux piles. Impec. Tac, tac, tac. Donc là, on a les batteries. Et je vais pouvoir en placer une dans la battery box. Et ça va la recharger et prendre l'énergie que nous avons déjà dans la battery box. Donc ça, c'est cool. Alors après, ça, ça se charge tranquillement. 120 000 volts, environnement boost 0%. Environnement boost 0%. D'accord, alors après, il faudrait que je regarde comment mieux gérer mon électricité, parce que là, j'ai mes machines pour l'instant, je comprends pas trop comment ça marche. Descends. Tac. Alors, hop. Alors maintenant, ce que j'aimerais bien voir, ou comprendre, c'est... je vais prendre la pile qui est ici. Hop, on va mettre une autre à charger, c'est pas bien gênant. Et là, on va mettre ça... ici. Je l'ai dit. Énergie. Active. Et... Il me met... Alors, est-ce qu'il faut amener le fuel? Jusqu'à... Non, je pense pas. Comment ça se passe? Stop. Est-ce que je peux récupérer l'essence au moins? Je peux pas la récupérer. Alors, comment je charge ça? Il doit bien y avoir un moyen de la charger. Alors... Launch. F. Fuel. D'accord. Comment je charge ça? Tac, on va redescendre. On va prendre ça. Load fuel.
Stop loading. À mon avis, la machine n'est pas assez proche et si je la détruis, bah, je perds l'essence, mais malheureusement, je vais être obligé. Je vais pas la détruire pour l'instant parce que ça se trouve, il y a un moyen. Ah, mais attendez. Je crois que j'ai ce qu'il faut. Alors là, c'est beaucoup de réflexion, je suis désolé. Ah, il me semble que j'ai un truc qui me permet de faire ça. Où est-ce que c'est? Ah, c'est ça. Oxygène pipe. Ah non, à mon avis, l'oxygène pipe ne va pas me permettre d'amener l'essence jusqu'à la... Jusqu'à ça. Ah merde, ça pète. Non, c'est bon, on va y arriver. Ok, comment j'amène l'essence jusque là? Alors, Fuel loader. Fuel canister. Alors, est-ce que, à votre avis, je vais mettre ma pile là. On va refine. On va voir quand il y aura 1000. D'ailleurs, il commence à faire nuit. Donc, on va aller faire un petit dodo. Hop, voilà, impeccable. Est-ce qu'il faut continuer de charger en énergie le reste des piles, hein, bien sûr. Tac, donc là, ça travaille. Là, ça en est rendu là. Elle a déjà pompé toute l'énergie. Ça pompe assez vite, à ce que je vois. Ok. Refine, vas-y. Donc là, ça refine. Là, on est d'accord, on va attendre qu'il y ait 1000. C'est pas bien grave, c'est pas trop gênant. On a nos piles qui chargent, là. Qui sont pas beaucoup chargées, d'ailleurs. Tac, tac, on va mettre ça là-dedans. Ça aussi. Oula, mon épée. Give me my sword, please. Donc, ça refine. Alors, on peut essayer, même s'il n'y a que 280, je m'en fous. On peut essayer de faire... Tac, voilà, ça va remplir un petit peu. On va rentrer là-dedans. On va faire F. Requête. Comment je mets le fuel? Je ne sais absolument pas. D'ailleurs, c'est stylé la caméra comme ça. J'aime bien, j'aime bien. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode ici. Je vais chercher bah, de mon côté, tout simplement. En tout cas, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à partager la vidéo et vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Sur ce, eh bien, allez, salut à tous, c'était Oxylac et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.